יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Moi, Barabbas, le meurtrier, en innocent a pris ma place. Et sur le bois est crucifié, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce. Oui, le bonheur et puis la grâce accompagneront tous mes pas et tous mes jours sur cette terre. Sans sous son aile, oui, le bonheur et puis la grâce accompagneront tous mes pas et tous mes jours sur cette terre. Sans sous son aile, sans sous son aile. Sans homme, oh, Jésus s'est donné en brebis devant ceux qui l'attendent, s'est dépouillé jusqu'à en mourir pour me faire place. Dieu m'a fait grâce. Oui, le bonheur et puis la grâce accompagneront tous mes pas et tous mes jours sur cette terre. Sans sous son aile, oui, le bonheur et puis la grâce accompagneront tous mes pas et tous mes jours sur cette terre. Sans sous son aile, sans sous son aile. Son sang répandu sur la croix est un parfum qui se répand, et ce parfum donne à ma foi un air de grâce. Dieu m'a fait grâce. Oui, le bonheur et puis la grâce accompagneront tous mes pas et tous mes jours sur cette terre. Sans sous son aile, et le bonheur et puis la grâce accompagneront tous mes pas et tous mes jours sur cette terre. Sans sous son aile, sans sous son aile. Tous mes péchés sont expiés, par Jésus je suis justifié, son pardon m'a glorifié. Dieu m'a fait grâce.
Dieu m'a fait grâce. Oui, le bonheur et puis la grâce m'accompagneront tous mes pas et tous mes jours sur cette terre sans sous son aile. Oui, le bonheur et puis la grâce accompagneront tous mes pas et tous mes jours sur cette terre sans sous son aile, sans sous son aile. Shalom, 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 que le Seigneur Jésus-Christ dans sa grâce les bénit richement, abondamment et sans arrêt. Encore un plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouveau moment de communion sur le canal Troisième Poule dans l'espace que nous relais salon spirituel. Nous dit bienvenue à chaque frère, chaque sœur qui est déjà connecté avec nous à soir pour moment de communion ça. Eh bien, nous espérons là que, eh bien, ensemble, nous allons avoir un moment très, très, très agréable dans la présence du Seigneur et qui, lui-même, pas jamais fait nos défauts, qui toujours, dans sa grâce, vini et apporté la bénédiction. La bénédiction, c'est tout ce dont nous avons besoin. Un fils, un enfant, eh bien, lui besoin, eh bien, et que lui joigne là, que l'ab jouit de bienveillance, que l'ab jouit eh bien, de chaleur affectionnelle de l'amour papal maman. C'est à ça, oui, que nous attendons à soir de la part du Seigneur et à chaque fois que nous réunis d'ailleurs, c'est qu'on s'en doujouille. Donc, que bon Dieu bénisse, que le gardez-vous, nous attendons au Seigneur, pour le bénir nous dans la parole là, pour le bénir nous dans le moment ça, alors que nous réunis et pour nous et communier, pour nous préparer, nous réunir d'ailleurs pour nous vivre meilleur. Oui, c'est ça. Nous, toujours dit, nous pas réunis pour nous distraire, nous pas réunis dans l'espace ça pour nous distraire, pour nous un moment de plaisanterie là et de détente. Mais nous sommes là et pour la communion fraternelle dans le sens de notre préparation pour l'enlèvement. C'est l'objectif, c'est la raison d'être eh bien, de cet espace, le salon spirituel. Et nous là, à soir encore, au nom de Jésus-Christ, pour un nouveau moment de communion, que nous certains que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, l'a paix bénie et touché de son bâton. Nous ensemble, pour ce moment, Bali, dans la prière, eh bien, pour nous et remettre les questions et inviter à prendre le contrôle de tout. Divin Maître, notre Dieu, notre Roi, nous voici, Seigneur, humblement, les yeux fermés, le cœur incliné, et Seigneur, ô Dieu, regarde-nous tourner vers où? Regarde-nous tourner vers la croix, vers le calvaire, là où notre Sauveur, là où notre Dieu, ô fait chair, a été crucifié à notre place. Nous reconnaissons, Seigneur, envers nous, Seigneur, ô Dieu, plein de gratitude, ô Dieu, ce soir, d'est-ce que, Père, le châtiment, ô Dieu, jugement, la coupe amère, ô Dieu, de la colère du Père céleste, que nous t'es doué boué, qui t'es doué tomber sous nous, mais Seigneur, ô t'es prêle pour nous. Voici ce soir, nous là, Père, nous là, en signe de reconnaissance, pour soyez pour nous, en signe de reconnaissance, pour soyez fait de nous, nous venons, Seigneur, pour nous honorer nom, pour nous honorer parole, et pour nous communier nous yon avec l'autre, dans l'Esprit Seigneur, pour nous rapprocher de vous. Oui, c'est pour ça nous réunis. C'est ça que fait nous. Ô Dieu, mettez ce moment à part. Ô Dieu, c'est pour nous rapprocher de vous. Ô Dieu, par la communion, par Seigneur, l'écoute de ta parole. Seigneur, sois miséricordieux. Viens, Seigneur, prendre le contrôle, la direction de ce moment pour nous. Parce que nous confions au lit. En nom de Jésus-Christ, pendant la pandémie, pour toucher ça qui est faible. Touchez ça, ô Seigneur, ô Dieu qui besoin grâce, allez à leur rencontre et fais, Seigneur, ô Dieu, jaillir, ô Dieu, ta grâce dans la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que la paix, la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous comptons avec vous à soi encore. Dans l'autre moment ça, moment de communion, moment de retrempage spirituel, moment de thérapie spirituelle, nous comptons, gagnons avec nous à soi. Et nous voyons que habitude n'a pas changé, Eh bien, nous là. Nous comptons, ouais, et que gagnons et de nouveaux noms, et dans la tête de l'Isla là, et c'est très bien. Bon, commencez par saluer notre précieux frère Giovanni Montas, avec famille, sœur Missly, jeune Montas et les enfants. Nous bénissons toute maison, dans nom Jésus-Christ, frère Caleb, Pierre-Louis, et famille Pali, et bien frère Pierre-Louis et Lionel, sœur Yvette Blain, Pierre-Louis, sœur Lydie, Pierre-Louis, Emmanuel, Pierre-Louis, toute équipe ça, nous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons aussi, eh bien, toutes bien-aimées qui écoutent nous et que non, ils n'ont pas figuré là, sur l'ISA, non, ils n'ont pas figuré, toutes bien-aimées également qui prennent le temps de nous. Après, nous bénissons dans le nom de Jésus-Christ et nous prions que la grâce du Seigneur, que la colonne de feu, ils ont touché spécial et que nous sommes capables de bénir, édifier, que nous grandissons dans la présence de mon Dieu pendant que nous là. Eh bien, à soi encore, nous saluons Silaio qui était peut-être parmi les plus diligents, qui étaient arrivés là en tête. Nous prenons l'habitude de faire ça dans un petit moment fraternel, ça, pour nous saluer de manière spéciale. Eh bien, c'est nous qui arrive en tête. Nous sommes certains, nous avons répété que, eh bien, c'est pas eux-mêmes à la vérité qui étaient les seuls à être présents dans la minute qui ont été montés. Ils étaient des dizaines à essayer de monter en même temps, mais peut-être pour bon puis bon appareil, puis bon connexion Internet, eh bien, nous gagnons la sœur Prisca Dumersin qui arrivait en tête. Nous gagnons la sœur Manous Valcourt, eh bien, qui arrivait en deuxième position. Sœur Ifania Jean-Baptiste, ancienne championne, que nous mettons sur Ifania Souban là depuis quelques jours. Et donc, nous avons Antoine Kerby en quatrième position, Myriam Vincent qui fait gros effort aujourd'hui, Pascal Georges qui a levé pied, Dorméus Fedeline, compliment, André Saint-Fort qui régressé, nous ne comprenons pas là, frère André, Emiliana Lomon qui fait effort, il n'est pas là, Dorméus Renol, Gerline Gédéon, Rebecca Saint-Surin, Monique Lexidor, Barbara Exilom, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse, eh bien, particulièrement tout bien-aimé ça, mais on met dit tout sauvelé, il y a Yamile Cathy Antoine, épouse de frère Kerby et Antoine, donc que le Seigneur bénisse, sur Yamile, sur Barbara Exilom, que le Seigneur bénisse, mais en toute chose, dans tout ça, on a dit là, eh bien, il y a la sœur Iristil Joseph, Marie Mertil Joseph, sœur Iristil Joseph, eh bien, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup longtemps plus âgée que tout le monde sait là, dans la tête de fil là, mais nous toujours considérer que la vraie championne, lorsque elle est aussi près du but, donc nous considérer que c'est un gros bagage. Balthazar Jean-Dany et Jocelyne Salnave, Jean-Daniel Augustin, Annette Charistil Jean-Baptiste, Sœur Alexis et Cherla Bernado. Bon Dieu béni, Sœur Bernado, et Plateau Central, depuis Plateau Central, particulièrement dans la ville Inche, nous bénissons richement, chers sœurs, que le Seigneur bénisse, nous espérons avec nous tous les soirs, que nous avons réunis. Mais malheureusement, nous connaissons Internet, là, pas facile. Mais nous bénissons pour Frère Giovanni. Nous bénissons pour frère Giovanni, nous bénissons pour frère Julmis, frère André Julmis, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse et bénisse toute maison précieuse. Amen. Maintenant, nous bénissons frère Webster Michaud, frère Aurélus René, Antonine Jeune Facile,
Dorméus Robertson, Marguerite Jastinet, Isaac Augustin, Kerby Compère, Gerdy Charles, Jean-Claude Joseph, Pierre-Richard Favard, Béatrice Champagne, Sœur Destin, Andris Mika, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse nous. Nous bénissons aussi la Sœur Taïcha, la Sœur Dorsey, Olga Lee, Ali Saint-Fort, Cadet, que le Seigneur bénisse, Frisnel Sevrin, Yves Nantes Félix Saint-Charles, Dionise Sterling Lormil, mon panneau, et Sœur Enel Collin, Anne-Marie Favard, Jésus-Christ bénit richement, nous bénit notre très chère sœur Emma garçon, que le Seigneur Jésus-Christ bénit richement précieuse, et Clernite Glantin, Rose André et Vilsain, Gentil Pluviose, notre diacre et ancien, et toute la maison est bénie, toute la maison est saluée, et bien toute la maison, sœur Gentil, et bien monsieur Ola, et sœur Avenie Charlot, que le Seigneur bénit nous richement, abondamment et sans arrêt. Frère Gary Exama, Emmanuel Sevrin, Micheline Saint-Georges, que Jésus-Christ bénisse aux précieuses, et Dasni Yannit, Frère Rodin Dumersin, Markinson Lubertin, Sœur Philippe Lamartinière, et surveillant, Jésus-Christ bénisse aux précieux, que le Seigneur bénisse toute famille en précieux, Frère Marc-Edouige Xavier, Frère nous, et Sœur Cléonise Joseph, mon Dieu bénisse, Berge Nord Dumersin, bon Dieu bénisse, au Fils de Dieu, Stéphane Eugène, bon Dieu béni, Gerda Guillaume, Bogère Saint-Georges, bon Dieu béni, fils de Dieu, et Pharisien Cadeau, Frédeline Pierre-Louis, et Floristal Miguerline, nous bénis le frère Aristide Joseph, nous bénis le sœur, la sœur Mertilia Noël, oui. Sœur Ashley Louis, bon Dieu béni, frère Succès Villard, que bon Dieu béni. Sœur Myriam Mossé, Rebecca Lubin, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout ce beau monde, tout bien-aimé Sayo, que nous contents et ouais. Nous bénis la doyenne, la sœur Martha Mathieu, que le Seigneur bénisse abondamment, très chère sœur, que la grâce du Seigneur continue de verser sur vous. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur bénisse, nous comptons, gagner toute petit bon Dieu Sayo dans ce précieux moment de communion avec nous. Nous comptons pour nous, eh bien, à fellowshipper avec vous là. Maintenant, aujourd'hui, ben nous disons rapide que nous pas gagner donc là avec nous, que nous saluer. Nous saluons la sœur Francia Dorismont et Rodney, et médecin nous, qui est Jodia, et pape présent avec nous dans la rubrique Santé. Et nous et bénis toute maison, hein. Nous bénis frère Rodney et les enfants, que la grâce du Seigneur capable avec eux là-bas. Eh bien, nous, ben nous rapide vite là, fait un petit point envers. On a rappelé à nos chers frères et sœurs que nous avons un système qui est en place là. Nous avons une chaîne YouTube là que nous te bataille là et pour nous mettre campé. Et nous voulons là et annoncer que à partir de mardi cap 28 février, eh ben nous tout dire ça, donc nous appeler stopper camper avec questions et participation que nous chaque te gagne pour bail là. Donc là solennellement nous remercier toutes bien-aimées qui t'ai fait effort, qui t'ai fait effort. Nous connaît que c'est difficile, bagaille pas facile. Donc, nous avons été patients. Donc, là, nous mettons fin à ça. Mais là, il y a un monde, par exemple, qui te gagne pour le faire, ou du moins, qui gagne sous cœur pour le faire, il gagne jusqu'à mardi prochain, si Dieu veut. Et nous connaissons qu'il y a 28 février. 28 février, c'est un jour spécial pour chaque croyant de ce message. Donc, à partir de cette date-là, nous camper avec Histoire ça pour nous maintenant et mettre focus là, mettre toute énergie nous sous et bataille pour nous capables d'acheter matériel.
Mais évidemment, n'a pas fait et ça qui est possible, n'a pas fait et ça et que n'a pas fait, n'a pas ça n'a pas parce que eh bien, c'est travail, c'est travail pas ou. Quand on aujourd'hui, c'est travail pas ou. Nous vraiment, vraiment, vraiment et comment dire ça là. Bah, un mot de remerciement là à chaque bien-aimé qui est aussi petit que le théier, mais qui t'est quand même fait geste là, parce que c'est pas pitié, mais c'est le geste. C'est le geste. Donc, nous bénis chaque frère, chaque sœur qui ont même été capable de bailler un bagage qui est conséquent, yon qui t'est avec vina, avec excuse parce qu'elle était petit, etc. M'a dit ou pas gain aucune différence devant le Seigneur entre et gros et petit. Donc l'essentiel c'est que le geste, c'est que la chose vient du cœur, c'est un geste de cœur. Donc nous remercions tout le monde solennellement et qui t'a déjà fait geste ça, mais ou même qui peut-être pour tout faire qui désirait faire ça. Donc à partir de ce mardi qui vient, donc nous avons mis fin à ça et tout ça qui n'a pas été fait dans l'espace ça, nous pas dans l'histoire ça encore. Donc c'est une question pour nous et mettre ça de côté pour ne pas gagner, pour ne parler de ça encore dans l'espace ça, parce que où qu'on est, eh bien nous sincères, nous honnêtes, nous pas même plein de parler de ces choses et où qu'on est ça. Donc voilà, que Jésus-Christ bénisse, encore merci solennellement dans nom et toute famille Salon, ou même qui t'a fait geste là, nous remercions publiquement et sincèrement, et ou même qui est pour Kofel, et mais certainement d'une manière ou d'une autre, ou bien doit partir en mesure pour te bailler, une participation, une cotisation, mais présence ou prière, et une façon ou l'autre, pour te partager le lien, pour te encourager au monde. Et abonné, donc d'une manière ou d'une autre, ou mettez Pierre Power, ou mettez Roche Power là, dans édification et Kaisa, et travail ça, qui c'est et travail salon spirituel là, dans mettez campé chaîne YouTube là. Maintenant, ben nous dit en passant, chaîne YouTube là campé, les campé, nous atteindre le minimum que nous avons besoin d'atteindre pour nous. Opérationnel pour le fonctionnel, nous étions fixés et cet objectif. Maintenant, les fins campées, nous invitons maintenant, et yon moun tankou sur Priska du Mersin, yon moun tankou et Ipania Jean-Baptiste, yon moun tankou André Saint-Fort, Antoine Kerby, tous ces jeunes qui maîtrisaient les questions ça, maintenant nous invitons. Et à aider nous travail pour eh bien développer chaîne YouTube ça, développer le qui gens, mais développer le dans faire les vignes meilleur par conseil ou par idée. Par exemple là, nous besoin yon moun qui gagne pas un monde peut-être qui gon idée, mais nous besoin yon moun et vraiment qui connaît et qui maîtrise question ça et montage vidéo. Donc on a une chaîne YouTube et ils vivent de ça. Et si vous pas gagne un bon et un bon graphiste, un monde qui maîtrise cette question de montage vidéo, donc là ou a gagner difficulté pour développer, pour faire impact qu'on doit faire. Donc, il y a un monde qui sous plateforme là, qui dans salon, hein, ou du moins qui connaît un monde qui capable et même by formation dans ça. Eh bien, s'il vous plaît, contactez-nous en privé après, parce que nous besoin. Il y a un ami là qui fait montage vidéo, un professionnel, quelqu'un qui maîtrise la question, et pour que nous gagnions un petit contact avec elle. Parce que une fois. Édifice la campé, maintenant faut travailler pour rendre efficace, pour le faire impact qu'on besoin de faire. Donc c'est dans ce sens, nous invitons toutes jeunes, les plus jeunes, etc., les plus jeunes. Et je dis, en matière de technologie,
et l'on dit plus jeune ou nécessairement veut dire et plus compétent monde qui puis bien cerner questions qui puis bien connaître. Donc comme ça nous faire demande là solennellement pour que eh bien des frères des sœurs qui évidemment et éventuellement capable connaître question ça ou du moins connaître un monde qui fait le bien, un professionnel qui maîtrise la question et qui serait disposé à ben nous là une formation et donc nous est prêt pour ça. Voilà. Maintenant à nous aller, aujourd'hui c'est lundi déjà, nous souhaiter une bonne semaine, et bonne fin de mois de février déjà, mois février qui est pralé là, qui pralé, et nous souhaiter que la grâce du Seigneur lui continue de avec nous alors que n'a pas avancé de fin mois février pour entrer dans mois mars. On connaît qui ça mois mars là est pour nous et qui ça nous même nous gagner et comme plan pour nous faire là. Maintenant on passe directement dans la rubrique dédicace. Aujourd'hui c'est avec la sœur Fédeline, c'est avec la sœur Fédeline Dorméus que nous a fêté, lui-même qui a fêté anniversaire lui demain si Dieu veut, sœur Fédeline Dorméus. Eh bien nous bénissons sœur Fédeline, que le Seigneur Jésus-Christ avec vous, que le bénissons et que lui accorde et sa grâce pour que vous gagniez non seulement un heureux nouveau printemps, mais aussi un nouveau départ sur le plan spirituel, un nouveau départ eh bien avec son Saint-Esprit, un nouveau départ dans le message que le Seigneur Jésus-Christ a accordé tout cela. Avec nous le frère Caleb dans la musique d'anniversaire, nous bénit tout l'autre bien-aimé qui éventuellement a fêté dans le mois ça, qui a fêté dans le jour ça, qui a fêté jeudi, qui tape fêté demain ou qui a fêté demain ou aussi que nous pas touché de ça. Mais nous bénissons et prière que nous pourrons le faire, libre aller à eux-mêmes tout. Frère Caleb avec nous de la musique d'anniversaire et n'a pas retourné pour nous prier. Oh, quelle beauté, pleine de majesté. Dans ton sourire, puis la gaieté, un jour comme aujourd'hui. Tu es né, le ciel tout entier dans sa beauté. Visiblement béni ta destinée, un amour pur dans son éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Je te souhaite ton anniversaire. Mon cœur chante avec joie pour te plaire. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. En cette occasion de réjouissance, oublie les drames existence, puis dans la douce du silence, pense au jour à Dieu de ta naissance, tout comme à la magnificence des souvenirs de ton enfance. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Je te souhaite ton anniversaire. Mon cœur chante avec joie pour te plaire. Bon anniversaire, joyeux
Amen, amen, amen. Joyeux anniversaire à Sœur Fédeline, Fédeline d'Orméus. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et qu'il t'accorde un heureux nouveau printemps et des années encore bénies et dans sa présence et à son service. Nous bénis aussi tous les autres bien-aimés qui, éventuellement, a fêté anniversaire dans la période ça, soit hier, jeudi ou demain, que la grâce du Seigneur allait à eux même tout. Et la prière que nous allons offrir au Seigneur maintenant, lit praler à eux même tout. À nous ensemble, et mettez cœur nous ensemble pour nous prier pour sœur nous, sœur Fédeline d'Orméus, qui a fêté anniversaire dans la période ça. Père de miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, toi le parent rédempteur, toi et l'offrande agréée, Seigneur, nous bénissons, nous disons merci. De ce que je dis, Père, oh Dieu, oh balance-nous, oh dans le cahier comptable de Satan est à zéro. C'est qu'on s'allie pour Sœur Fédeline d'Orméus, sa balance, oh dans le cahier comptable de Satan est à zéro. Parce que tu es payé, Seigneur. Tu as tout payé. Là au calvaire, sur le bois du calvaire, où tu es tout payé. Et nous pas doué, je dis. Nous pas doué. Seigneur, dans l'occasion ça, pendant la paix, magnifier nom, exalter nom, pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre, Dieu, du sacrifice sanglant et parfait de Golgotha. Seigneur, nous prier que dans l'occasion ça, lorsque sœur nous, sœur Dorméus, ça va le fêter anniversaire demain si Dieu veut. Nous prier au glorieux Saint-Esprit que vous allez, Seigneur, tel au Dieu, rencontrer-le et que Père, vous transformez sa vie au Dieu ou en quelque chose de meilleur, en quelque chose de meilleur que ça le est déjà, en sorte que lui-même est capable de constater la grâce, est capable de constater ta main miséricordieuse dans sa vie. Le changement, alléluia, que toi seul, le Seigneur, peut apporter, que le constater, que le ouais, Seigneur, au toucher particulier que ou accorder, que ou bail dans la ville. Bénissez-nous, accordez le Seigneur un nouveau départ, accordez le Seigneur ta grâce, ô Dieu, pour que Père, le Saint-Esprit capable de sceller à l'intérieur de son âme. Père, qu'il est capable comme ça, pour tout le bien-aimé que tu as fêté anniversaire, ô Dieu, dans le jour ça, là, nous prions qu'on bénisse, qu'on fortifie, qu'on prenne soin, et que grâce au Seigneur capable de demeurer sur nous. C'est là notre prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Encore joyeux anniversaire, Sœur Fédeline d'Orméus et toute la famille d'Orméus. Nous bénissons, nous saluons, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, n'appelez rappeler vous, pour nous, on est le lundi, nous on tient un petit technique. Nos petits techniques, ce soir, qu'il y a là, et rubrique santé, hein? Ou bien nous parler de l'autre bagaille qui toujours concerne le salon, mais qui n'est pas nécessairement gain et rapport direct avec la parole ou les commentaires de premier degré et la petite méditation que nous avons partagé ensemble avec vous. Donc là, n'a pas rappelé que chaîne YouTube Salon, nous et qui ont qu'à aider le développer l'autre façon qu'on qu'à aider le développer, eh bien c'est par exemple dans un moment ça, c'est moment plus que jamais pour nous combler tant vide nous et en ruminant la parole, en ruminer parole là comment, eh bien une prédication qu'on t'entendait ou entendait, et souvent ou paraît qu'à un bien-aimé ou joindre la fait ça. Ou joindre et longtemps là, ou paraître quand on bien aimé, ou joindre l'attendre, et bien, une prédication, et que frère Guy, que yon ancien yo, et frère Guy Cantave te prêché, et pour joindre qui attendre. Mais c'est tout à fait correct. On pense que c'est à ça yo pour nous retourner, c'est bagaille ça pour nous remettre nous à faire. Parce que, et ça yo te kon garder nous fort, te kon garder l'esprit nous ancré dans la parole là. Maintenant, qui ça nous fait? Et quand on nous dit,
eh bien, dans la prédication, dans un service, il y a plein de choses qui passaient. Maintenant, qui ça nous fait? Nous prenons exactement la prédication. Nous prenons exactement la prédication et nous mettons le disponible pour vous. Comme ça, ou pas besoin à peine avancer, dans la scroll avancer. Donc, depuis, ou aller sous le link que nous partageons avec vous, juste play-li et pour attendre des prédications directement. Donc, ça, c'est l'une des choses qu'on est capable de faire pour aider les chaînes à développer. Mais la deuxième chose, c'est partager. Partager vidéo avec un frère. Un frère du message qui n'est pas nécessairement de la Royal Jardine, un frère du message qui est capable de n'importe quelle autre assemblée du message, eh bien, ou partager avec elle, de façon pour intéresser, attendre des prédications, ça, qui, ou même, selon vous-même, est capable d'édifier, capable de bénir. Donc voilà, c'est non seulement ou tendez, ou visiter chaîne, ou tendez prédications, yo, ou quitter un commentaire, un like, mais aussi ou partager. Et vidéo pour encourager l'autre monde à abonner. Parce que pas oublier, développer chaîne, je l'ai dit, pour ne pas rester statique, c'est-à-dire avec le même nombre d'abonnés qui n'ont pas grandi, regardez, les gens là, jour où je mettais au travail, je vais visiter page là, et puis je vais faire ça. Parce que je vais faire. Et quantité abonnés qui sont sous l'IO a juste pété plafond. Donc voilà, c'était tout concernant question ça, question développement et chaîne YouTube Salon. Hein, que n'a pas rappelé que très bientôt, une fois que matériel yo vini, une fois que nous gagnons, n'a pas rappelé que nous pral gagner, yon temps que nous pral faire, nous pas sous Telegram, non? Pas sous Telegram non, mais n'ap sous YouTube là et directement c'est sous lit directement que n'ap et fait live là. Donc voilà, et tout ça c'est pour commencer préparer l'esprit ou préparer ou là pour lorsque eh bien nous dit ou nous annoncer ou mais le arrivé tout est prêt et que c'est là nous aller. Donc on a ou même ou connaît c'est sous YouTube directement ou pral connecter avec nous. Et là, ça, c'est vraiment sans limite, sans restriction. Et bien, on sait que le problème que les bien-aimés qu'on gagne avec Telegram, non, pas oublier, c'est une raison et qui fait que nous avons mis en place la chaîne YouTube là, c'est que là, problème ça, ou pas bien. Une question, bien-aimé a fait toute préparation, mais là, pour le monter sur Telegram, il n'y a pas qu'à ouais côté pour entrer. Donc voilà, que le Seigneur bénisse richement, abondamment et sans arrêt. Et là maintenant, à soir, on a annoncé que dans la parole du Seigneur, nous avons l'heureux privilège d'avoir avec nous ce soir notre précieux frère Jean-Romy Domersan, qui est lui-même ministre qui a bien pour casser pain parole là, ben nous à soir, et nous remet lorsque eh bien, voyons, yo diversifié, voilà. Ou te gen frère Gédéon avec, ou gen frère Nia Libertin qui saute kembe nous là, eh bien, bien en l'air, et pendant et quelques salons, eh bien, frère Giovanni qui kembe et ripal là, avec mercredi. Et là maintenant, le frère Jean-Romy Domersan, et c'est à son tour ce soir de nous entretenir de la parole du Seigneur. Et tout de suite, Napmando, aidez-nous à accueillir le Saint-Esprit, aidez-nous à accueillir l'homme de Dieu. Nous lui souhaitons bienvenue, et bienvenue au Saint-Esprit, bienvenue et à frère Jean-Romy Domersan, que nous saluons, que nous bénissons, et que nous recevons dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, et bonne audition, bonne écoute, et bienvenue au Saint-Esprit, bienvenue à notre précieux frère Jean-Romy Domersan, dans la parole du Seigneur. Shalom. Shalom.
see the glory. Your focus is only me, and I'm determined to lift my head. You descend your mighty wings. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et soyez bénis dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Et ces vieux frères, frère Jean-Romy Domessan, et moi content vous me rejoindre encore dans le salon spirituel ça pour nous communier ensemble. Et merci pour soutien, pour mots de consolation yo et pour toute sorte d'appui qui a été apporté à moi et à famille prier yo. Alléluia. Oui, merci pour prier yo et qui était utile nous en pile, que Dieu était exaucé pour nous et nous remercions grandement pour ça. Et nous remercions infiniment pour ça. Que le Seigneur Jésus-Christ qui bénit, qu'il continue à bénir davantage et dans le niveau que vous pas espéré. Et soyez bénis encore dans les beaux et précieux noms de Jésus-Christ. Et nous allons lire la parole de Dieu, mais avant que nous lisions, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Dieu béni Père Céleste, il y avait des gloires manifestées en Jésus-Christ. Nous bénissons Père, nous exaltons. Pendant le temps, prie Père. Débrouillez-nous l'homme de l'essence de la chair, afin que Père nous capable de parler de ta part. Car il est écrit, Seigneur Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est poussé par l'Esprit que l'homme parle de ta part, Seigneur Dieu, que l'homme parle de ta parole, Père de grâce. C'est pourquoi Père nous mettait en déroute toutes les forces infernales, tous les esprits impurs qui t'avaient attaqué, peuple ça, Seigneur Dieu, et qui nous mettions en déroute et nous rendions caduques et nous opérons sans effet. Et si Père, nous connaissons pas le béni déjà, tu es capable de bénir pour nous l'autre fois encore. Tandis que nous demandons ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous plus rapidement dans Hébreux 9, verset 1 jusqu'au verset 7. Hébreux 9, verset 1 jusqu'au verset 7. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, le sentier terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée les lieux saints, étaient le chandelier, la table et les pains des propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il avait dans l'arche un verge d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de les hommes les propitiatoires. Ce n'était pas le moment de parler en détail là-dessus. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Verset 7. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an. Non sans y porter du sang qu'il offert pour lui-même et pour les péchés du peuple. Que Dieu ait béni la lecture de sa parole. Amen. À Dieu soit la gloire et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et il écrit, bien que psalmiste l'ait chanté, eh bien, nous devons adorer le Seigneur Jésus-Christ en tout lieu. Dans tout lieu que nous y nous devons adorer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je vous présente le Seigneur Jésus-Christ comme la seule et unique personne qui a couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert.
Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, le couronné de gloire, le couronné d'honneur, eh bien, à cause de la mort qu'il a souffri pour moi-même ensemble avec vous. Alléluia. Amen. Il souffrit la mort pour tous. Le Seigneur Jésus-Christ, il mourit pour tout le monde. Il mourit pour sauver la race déchue d'Adam. Eh bien, à ce nous voulons introduire et sujet ça, c'est le sacrifice de la restauration. Le sacrifice de la restauration, et c'est de ça que nous voulons parler. Et à ce là, le sacrifice de la restauration. Nous voilà là, et dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui toujours dirigeait le peuple. C'est Dieu qui toujours voyait enseignement pour le peuple. Amen. Eh bien, dans même avant l'Ancien Testament, c'est-à-dire depuis Adam, c'est Dieu qui a parcouru vers le soir pour te enseigner Adam la parole. Eh bien, n'a pas rappelé où? Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui t'est venu en direct à Moïse pour te voyer la manne cachée, pour te voyer le repas pour son peuple. C'est Dieu qui t'est toujours là, le campé pour nourrir le peuple. Est-ce pourquoi dans l'Ancien Testament, le peuple a été gagné sacré les documents de l'Alliance. Les documents de l'Alliance. Documents de l'Alliance, c'est l'un des noms donnés à l'ensemble des tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravés les commandements communiqués par Dieu à Moïse. Ces documents réglaient la vie quotidienne du peuple d'Israël selon les principes de l'Alliance. Nous sommes Dieu pas un Dieu de désordre, Dieu son Dieu d'ordre. Son Dieu d'ordre, les bons ordres. Alléluia. Nous sommes Dieu, il te gagné, eh bien, les documents de l'Alliance. Documents de l'Alliance, là, c'était les deux tablettes de pierre que Dieu te bâillé Moïse, que nous allons prendre là, dans Exode 31, là. Exode 31. Ou après, c'est Jésus, c'est Dieu même, c'est Yahvé de gloire qui descend, eh bien, qui quittait et commission pour le peuple, qui quittait comment le peuple a dû vivre. Eh bien, en dans document alliance, qui ça qui en dans, ça a réglé la vie quotidienne du peuple là. Tout ça qui gagne à ouais avec les enfants d'Israël, il était en dans. Les documents de l'Alliance. Et nous disons là, documents de l'Alliance là, qui s'allient, eh bien, c'est les des tablettes de pierre. Alléluia. Eh bien, des tablettes de pierre, ça y est, c'est pas Moïse qui t'a écrit ça sous tablette là, yo, avec douette-li. Si nous prenons là rapidement dans Exode et 31, verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du droit de Dieu. Où est Dieu fin parler avec Moïse sur montagne Sinaï? Eh bien, li bay Moïse les deux tables de pierre. Eh bien, deux tables de pierre ça yo, c'est Dieu même qui écrit, c'est écrit du bon Dieu que là dedans. Et si nous prenons rapidement Exode 32, verset 16. Exode 32, verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Nous, les tables de pierre, c'est Dieu même qui écrit. Alléluia. C'est Dieu même qui voyait la vie quotidienne peuple là, comment peuple là doit vivre, comment peuple là doit marcher, comment peuple là li doit comporter dans la présence de Dieu. Tout bagay était écrit, tout bagay était dit en dedans les deux tables de pierre pour les enfants d'Israël. Et c'est Dieu même qui écrit avec douette li.
Amen. Bon créole. Eh bien là, nous, si nous prenons ces bases, nous n'avons fait là, n'a fait généralité, parce que son sujet nous fait introduit là. Nous Dieu n'a parlé sur n'a parlé sur le sacrifice de la restauration. Le sacrifice de la restauration, c'est si n'a prêché enlèvement, mais enlèvement tout, il y a des conditions requises. Il y a des conditions requises pour être enlevé. Amen. Eh bien, maintenant, nous, le peuple Israël, là, tu as une façon de marcher. Eh bien, la vie quotidienne, peuple là, en Israël, il te dépend de les deux tables de pierre qui étaient écrites avec le droit de Dieu. Eh bien, Paul dit nous là, dans la lettre qu'il écrit à Timothée là, dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit là, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire l'inspiration n'est pas venue d'un autre être que Dieu même qui inspire l'inspiration. L'inspiration est venue de Dieu, c'est-à-dire écriture, ça, ouais, là, ce n'est pas l'homme qui écrit, c'est Dieu même qui écrit. Même si c'est Jean qui te prend plimli pour t'écrit, mais inspiration elle pas sorti déjà dans Apocalypse, ça vous comprenez bien. Eh bien là, nous écriture là pour qui ça? Pour enseigner. Enseigner. Là où enseigner, c'est-à-dire c'est pour marcher dans la lumière, c'est pour marcher dans la droiture. Là où enseigner, c'est pour plus pas tomber dans tout la boue. Là où enseigner, c'est pour pas prendre un lien. Là où enseigner, eh bien c'est pour vivre par cocobé. Alléluia. Là où enseigner, eh bien, c'est pour tête tout capable rester et droite sur épaule. C'est pour ça que l'enseignement, Dieu veut enseignement pour vous-même, pour pas marcher avec tête baissée, pour pas marcher dans la honte. Amen. Pour convaincre, yo là pour convaincre. Amen. Eh bien, les Satan voué des faux docteurs avec pour enseigner des fausses doctrines, eh bien, les qu'on gagne écriture qui bien inspiré dans main. Laisse ça ou a camper devant mon nan, eh bien laisse ça ou a convaincre lui. Il a tombé devant pour corriger. C'est-à-dire la maison de Dieu, son maison, c'est une maison de correction. Dans maison, là vinn caille bon Dieu, c'est pour qu'on ait ou vinn pour corriger pour avancer. Vinn pour corriger pour faire l'autre pas, pour faire un nouveau pas pour aller vers la gloire. La maison de Dieu pas jamais une affaire de pique-nique. La maison de Dieu pas jamais une affaire de business. La maison de Dieu, c'est côté moun régler affaire nan. La maison de Dieu, pas un lieu où aller beau garçon. La maison de Dieu, pas un lieu qui aller belle femme. Si vous là, c'est bien. Mais la maison de Dieu, c'est un côté qui aller pour régler dossier nan mou. Que aucune école sur la terre, aucun docteur sur la terre, pas qu'à régler pour vous. Amen. Que parents qui font, pas qu'à régler pour vous. Que c'est celle Dieu lui-même qui est capable de dompter l'homme. C'est celle Dieu lui-même qui est capable de dompter le cœur. Le cœur humain, c'est celle Dieu qui est capable de dompter. Eh bien, vous là pour instruire dans la justice. Pour marcher dans la justice, il faut que vous ayez une parole là. Amen. Alléluia. Il est digne de toute gloire. Amen. Nous sommes là, les documents de l'Alliance, la vie quotidienne, peuple Israël là, il te dépend des documents de l'alliance là. Et non Dieu, documents de l'alliance là qui s'allient, eh bien, c'est les deux tables, des tablettes de pierre que Dieu lui-même lui était écrit avec droite lui sur montagne Sinaï, eh bien, le voyait commission ça pour Timounio, mais comment pour marcher, mais comment pour vivre. Alléluia, parce que on connaît bien Adam, Dieu te dit Adam, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, Dieu te voué la parole pour Adam. Eh bien, Adam pral tombe à cause de sa femme, parce que madame li mange à cause de l'amour qu'il gagne pour Eve, il t'a accepté rentrer dans bagay la. Nous, dès la Genèse, Dieu te toujours voué la parole pour peuple la marché. Dieu te toujours gagne un document qu'il voué pour le peuple de Dieu. Eh bien, maintenant, nous, dans l'Ancien Testament, qui sac document, de la Genèse, document que Dieu t'a voué pour Adam, les jours où tu en mangeras, tu mourras.
jour toucher le wap mourir, jour manger le wap mourir. Mais document que Dieu te voyait de la Genèse pour Adam. Amen. Et nous, où est Ève tombée avec Adam, ça crive la terre. Les enfants d'Israël maintenant, qui sous la loi, Dieu voyait un document de l'alliance pour eux. Et en dans document de l'alliance là, nous voulons prendre, ça pour saisir bien. Assez, nous pas pressé, même, mais nous voulons comprendre ça que nous avons fait là. Assez, nous avons quelques pas nous voulons mener. C'est leur comprendre la prédestination, c'est vivre Jean global dans la gloire. Nous voulons montrer quelque chose là. Et bien maintenant, nous avons fait œuvre évangéliste. Et bien Paul dit à Timothée fait œuvre. Paul dit à Timothée pasteur Timothée fait œuvre évangéliste parce que nous est toute nèg sur la terre c'est pasteur que oui. Nous n'a fait œuvre évangéliste. Et bien document de l'alliance, n'a pris prend pour document de l'alliance, c'est document de l'alliance, c'est un des noms donnés à l'ensemble des tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravés les commandements communiqués par Dieu à Moïse. Elle dit c'est Dieu qui communiquait à Dieu par Moïse. Oui, amen. À Moïse, ces documents réglaient la vie quotidienne du peuple d'Israël selon les principes de l'alliance. C'est une façon pour eux de marcher. Eh bien, Dieu voyait document de l'alliance l'embayo pour eux suivre. Maintenant, on a commencé à rentrer. Nous finissons de faire base là, généralité, oui. Nous finissons de faire généralité là. Et c'est dans le salon spirituel nous y est. Maintenant, nous l'est là, dans l'Ancien Testament, nous toujours dans l'Ancien Testament là, que nous l'est là dans Hébreu, nous l'est dans Hébreu 9, qui parle nous là, dans l'Ancien Testament, et la première alliance, il était gagné des ordonnances qui ouaient avec culte, avec sanctuaire terrestre là. Et bien, t'es un tabernacle dans l'Ancien Testament, un tabernacle était construit, il était en partie, il était trois parties, trois compartiments. Il était les parvis intérieurs, les parvis extérieurs, les parvis intérieurs, les saints des saints. Voilà, ce tabernacle là, il était gagné, il pas une seule partie là-dedans, mais il était gagné trois parties. Eh bien, pour qui raison que fait il trois parties? N'a pas rappelé pour l'homme ou Dieu, faut que l'homme passe par l'homme. Pour l'homme ou Dieu, faut que l'homme passe par l'homme. Faut que l'homme passe par l'homme pour l'homme ou bon Dieu. Maintenant, eh bien, tabernacle dans l'Ancien Testament, nous disons qu'il y a trois compartiments. Il y a les parvis extérieurs. Parvis extérieurs, qui sont là-dedans, il y a une porte. Parce que en dans parvis extérieurs, ou pas de peuple là-là. Il était en porte là-dedans lorsque les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient dehors, ils ont tombé là-dedans, ils ont tombé dans péché parce que ils ont violé un principe qui est dans document de l'alliance là. Voilà, qui ont violé un principe qui là Dieu pas voulu opérer, eh bien Dieu mettait un chemin qui sont chemin de retour. Voilà, Dieu mettait une route pour yo retourner, et c'est la confession. Et comment y a venu confesser et comment y a venu pour retourner dans la présence de Dieu. Eh bien, dans le parvis extérieur, lorsque péché a venu, bien que vous connaissez déjà, il venu avec un petit agneau. Il venu avec un petit mouton sans défaut, sans tache. Et l'elvina avec Timouton ça, un sacrificateur a approché pour prendre l'amel. Il a prendre l'amel, il rentre dans porte là, il rentre dedans. Premier bagaille, il vient pour garder Timouton ça, les sans tache. Eh bien, sacrificateur a, il vient pour prendre ti agneau ça, il a lavé dans la cuve des reins. Oui, dans la cuve des reins. Pas oublier si j'ai nous c'est le sacrifice de la restauration. Le sacrifice de la restauration. Amen. Eh bien, il y a pour aller dans la cuve des reins pour la laver, petit mouton ça. Et cuve des reins qui salte, le rein, c'est le jugement. C'est-à-dire, une fois que petit mouton l'a lavé,
sacrificateur li lave ti mouton, hein? C'est-à-dire péché a li déjà jugé. Il vient juger péché a qui côté dans cuve d'airain, hein? C'est là le doit laver. Nous voilà quelque chose pour là dans les eaux de séparation prêché par notre prophète William Marion Branham, le messager finaliste qui c'est septième œil qui sous septième con à Nioa. Amen. Eh bien, n'applique quelque chose pour là. Prophète là dit là quelque part et il dit là, j'aimerais un soir avant de partir parler de la démonologie et de mon expérience personnelle là-dessus, afin que vous compreniez et qu'est-ce que c'est. Maintenant, remarquez, quand ils sont arrivés dans le désert, et ils ont eu des ennuis et tout le reste, notre bienveillant Père Céleste, ne voulant qu'aucun périsse, comme je l'ai dit, et donnant tous les types avant le temps de la fin, ou avant ce temps-ci, a dit à Moïse et à Aaron, allez chercher une jeunisse rousse, sans tache, qui n'est ni point portée de jonc, et qu'elle soit immolée devant le souverain sacrificateur, et comment elle doit être attachée et ensuite brûlée, et avec la cendre, on faisait l'eau de séparation. Maintenant, faut dit camper là. Eh bien, dans la cuve des reins, t'es bien sacré les eaux de séparation. Les eaux de séparation où t'es joint dans la cuve des reins. Eau de séparation, hein, c'est pas un de l'eau quelconque. C'est pas un de l'eau on prend on met dans la cuve des reins. Hein. C'est un de l'eau qui vient selon ça que le Seigneur Dieu te bay Moïse sous montagne Sinaï. N'importe de l'eau pas de calaver mouton. Amen. N'importe de l'eau pas de calaver mouton. Est-ce pourquoi n'importe moun pas ka baptiser ou pour mener dans ciel. Ouais, n'importe moun pas ka initier ou dans le corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Parce que les eaux de séparation qui ça va le symboliser, qui ça le veut dire, qui c'est type là. Oui, et anti-type là, c'est le vrai baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament là, les eaux de séparation, péché à porter mouton, bah, sacrificateur. Et sacrificateur, il vient pour prendre mouton ça, il vient pour prendre petit agneau ça, pour aller avec lui tout droit dans les eaux de séparation, pour la laver dans la cuve des reins, et cuve des reins qui vient là-dedans, les eaux de séparation. Et les eaux de séparation, comment de l'eau ça, l'Éternel te bay Moïse, Yahvé, YHWH, Yahvé de gloire, comment te dit Moïse et Aaron pour faire les eaux de préparation. Son de l'eau qui préparée par l'Éternel. Son Dieu qui préparé par Yahvé. Comment le préparer? L'Éternel dit à Aaron et Moïse, il a prend une jeunisse rousse. C'est-à-dire une jeunisse rousse qui rouge. Amen. Qui rouge, il a prend, il a brûlé. Il doit sans tache. C'est souverain sacrificateur, une jeunisse rousse rousse qui pas de poté jaune, c'est-à-dire qui pas de gain en chair sous coule qui l'a poté, pas de gain aucun fardeau sous coule qui l'a poté parce qu'il gon fardeau pour le poté. Nous wè la, amen. Nous wè la, yo gen pou yo pran, yo attache li. Li dwe santache, yo attache li, yo brûle li, bien brûle. Le yo fin brûle li, yo pran sand nan. Le yo pran sand nan ki sa ap fè, yo pran la avec li nan cuivre de rein, yo versé de l'eau sou li, maintenant ki vin égal à les eaux de séparation. Amen. Son mélange ki liye. Se sand, yo jenis. Et rousse avec de l'eau qui fait les eaux de séparation. Et de l'eau de séparation, nous disons là, l'île qui objectif li. L'île là pour laver, eh bien, l'île là pour laver ti mouton hein, avant que yo immole pour moun qui péché. Avant que yo immole pour moun qui péché, faut laver. Amen. Est-ce pourquoi, mes frères?
ou même ou doit laver, ou doit laver, eh bien, dans l'Ancien Testament, il y a une seule de l'eau de séparation. Les eaux de séparation dans l'Ancien Testament étaient seulement dans la cuve des reins, mais maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a deux de l'eau de séparation. Premier de l'eau de séparation qui est, ou vini, ou prend baptême dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, laisse ça, eh bien, pour justification. Et maintenant, ou pas qu'au bon, ou pas qu'au correct, mais faut parole la laver ou. Ben, pas quoi qui ou fin baptisé là. Exemple, moun nan, j'ai qui nous dit ça hier, Léogan, j'ai qui nous dit ça hier, eh bien, ou ka fin baptisé, ou fin baptisé là, ou la wap danse rara. Ou ka fin baptisé là, ou la wap vu pariage pam. Ou elle, ou la ou nan pariage pam ou tellement fanatique. Et fanatique là tellement ils vont côté le poteau aller ou tellement fort qu'on boulou bien. Nous pas contre ça non, pour qu'on boulou. Ou tellement qu'on boulou bien, mais Satan rive li roin nous. Li roin nous, li monte au sa pa bolette. Mais là go nan aza dans l'autre forme. Ou elle, ou ka toujours fin baptisé ou là. Ça que fait ça ou laver dans le l'eau du baptême, mais les eaux de séparation qui ces paroles là, li pa ko lave vrai. Et ça fait gen bagay ou pou ka wè nan bon Dieu. Parce ou pa ko rentrer nan présence li vrai. Amen. Ou li gen non dimension pa ko rentrer. Mais gen moun tout une fois qu'il baptise il tellement sincère, eh bien par l'imposition des mains d'une personne ouinte, li tout rempli c'est le Saint-Esprit. Ça tout réglé une fois pour tout. Mais la grâce de Dieu pa descend envers tout moun même Jean. Alléluia. Il est digne de toute gloire. Nous, les eaux de séparation, pour qu'ils saltent là, ils étaient là pour laver tes moutons, hein? Ils là pour nettoyer tes moutons, hein? Pour tirer saleté sous lui avant que yo immolé pour avant que yo immolé pour faut qu'agneau à laver. Les eaux de séparation dans l'Ancien Testament, ça t'a parlé tout que Jésus-Christ en tant que l'agneau de Dieu faut laver avant qu'elle l'immole. Amen. Avant qu'elle l'immole. Dans l'Ancien Testament, il était célébré, il était besoin d'un agneau pascal, un agneau de Pâques. L'agneau pascal qui est agneau pour l'immoler. Mais nous, il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ, il est plus qu'un agneau pascal, car il est l'agneau parfait de Dieu. Amen. L'agneau de Pâques, l'agneau pascal, il était qu'on immole dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas l'agneau parfait de Dieu, mais l'agneau parfait de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même Jean, dans l'Ancien Testament, avant agneau a yo immolé, avant yo égorgé, faut qu'il lave par qui ça dans les eaux de séparation. Maintenant, ni moi ni où pour nous rentrer dans la présence de Dieu, premier pas pour nous faire, nous devons, alléluia, laver dans les eaux de séparation. Premier de l'eau de séparation, que là pour moi, que là pour vous, c'est prendre baptême nous au nom de Jésus-Christ. Et deuxième de l'eau de séparation, de l'eau salope lavo et ceci jusqu'à la gloire. Amen. De l'eau de séparation, que c'est la parole là, de l'eau salope lavo ou jusqu'à ce que Christ dit monte ici. Amen. Nous te voilà la parole de Dieu là pour instruire, pour corriger. Amen. Sou pa gen bagay nan vous qui mérite corriger, ou pas besoin l'église encore. Amen. Voilà. Sou pa gen bagay nan vie ou, sou pas besoin instruit encore. Pas besoin l'église encore, pas besoin tande nous encore dans salon. Voilà. Mais maintenant c'est parce que nous gen bagay qui pas ko bon nan nous. Amen. Amen. Nous gen des tempéraments, des sentiments qui pas bon nan nous qui doit chasser nan nous. Qui laisse qui doit mettre le dehors, c'est les eaux de séparation. C'est la parole. C'est la parole et pas là pour purifier nous. C'est parole là qui pour nettoyer nous. Amen. Une fois que nous inscrits là, maintenant nous sous la croix, nous dans les parvis. Amen. Ou pas qu'arrêter dans les parvis. Parce que c'est trois compartiments. Lors dans les parvis extérieurs, ou pas qu'on est mon Dieu vrai.
moun ki gen l'onction céleste sou yo vrai ou pa quoi font avec a faute pardon a faute ensemble avec yo. Amen. Gen bagay ou pa ko saisi nan mon Dieu, expérience ko pa ko fait. Wali. Amen. Gen comportement ou moun gen ça tout dieu qui côté lié. Wali. Ça tout dieu qui côté lié. Amen. Gen message lo ap tande l. Ou wè ke ou tout dans la gloire. Ou wè ke ou tout dans la gloire. C'est ça, oui. Ou tout dans la gloire. Mais maintenant, si vous tournez dans le document de l'Alliance, si vous tournez dans la parole sacrée de Dieu, ou après, il faut que ça corrige dans vous. Amen. Ou après, avec tempérament ça, qui va maltraiter petit tout, ou après, un chrétien va vivre comme ça. Oui. Ou après, c'est pas là pour laver. Ou après, avec tempérament colérique ça, ba din pour m'approcher vers ta Seigneur faut me laver faut pas la nettoyer moi. Amen. Non amen pour la goût mes frères gon pas pour faire faut corriger faut instruire faut former par la parole. Amen. Amen. Gon comportement de gon caractère un comportement de faire que vous gagnez comme femme. C'est pour comprendre, avec un tel comportement, eh bien, comportement, ça n'a pas sorti de Dieu. Si vous voyez, avec un tel comportement, mes frères, bon, ok. Il y a des gens qui ont des commissions. Il y a des gens qui ont des commissions. Vous n'avez pas des commissions pour tout le monde. C'est prophétesse pour tout le monde, sauf les prophétesses peut-être. Faut ta main poser tête en question. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit vrai ou rein vrai, ou lavé par les ou lavé dans les eaux de séparation, faut ta poser tête en question. Comment faire moi pour tout le monde, mais moi-même n'être capable vivre ça, un chrétien qui vit comme ça. Pour ça que fait tout, ma grand prophétie pour propre tête pam qui m'a demandé pour me changer. Voilà, ma grand commission pour propre tête pam qui m'a demandé pour me changer. Est-ce que c'est moun sa ou Dieu remet seulement? Moi, je li pas remet même. Mes frères, ressaisis-vous. Sœurs, ressaisis-vous. Les eaux de séparation. Ou bien Dieu, là, Paul dit Timothée, fait Ève évangéliste. Amen. Il y a trop pasteur sur la terre. Amen. À Dieu soit la gloire. Il faut que Paul l'a prêché, mes frères. Il est digne de toute gloire. Eh bien, nous, là, les eaux de séparation. C'est dans niveau c'est qu'on ça t'était fait c'est qu'on ça de l'eau de séparation a été faite pour que ça t'était là il était là pour laver agneau qui on va immoler on va égorger dans place yon moun qui était péché dans place yon moun qui était tombé. Amen. Il est digne de toute gloire. N'a continue à lire et texte nous examinons ces processus pendant quelques minutes. Premièrement étant une jeunesse. Et c'était un mal. Les sacrifices qui représentaient le Seigneur, les porteurs des fardeaux. Nous, ouais, je n'ai ça qui était prêt, qui était égorgé pour faire, qui était brûlé là, alors. Égorgé et brûlé pour faire, pour y prendre sang, pour y faire les eaux de séparation, qui saltait le ton mal. Eh bien, qui saltait représenté, il était représenté le Seigneur Jésus-Christ, les porteurs des fardeaux. Le Seigneur Jésus-Christ qui est là pour porter fardeau, pour te fado pao. Alléluia. Est-ce qu'on va aimer le Seigneur qui a porté fado? Merci Seigneur, moi me en pile pour fado mieux que porté. Alléluia. Amen. Le bœuf de la boue qui avance et travaille. Amen. La chose suivante, il a dit qu'elle devrait être rousse, qui coule le douillet, les douillets rouge. C'est rouge qui est douillet. D'un roux uni, sans défaut et sans tache. Mais rousse, il doit sans défaut, sans tache. Mais il doit rouge. Alléluia. Maintenant, pour nous, les rouges représentent le danger. Pour nous, les rouges n'est pas une bonne couleur. Selon ce que dit le monde, les rouges est à la fois les signes du danger. Mais les rouges dans les Écritures représentent aussi la rédemption,
Le rouge a été le signe de Dieu pour la rédemption, le châtiment. Mes frères, rouge pas une mauvaise couleur. Pas toutes les fois que rouge sont mauvaises couleurs. Vous faites la Dieu là pour nous. Eh bien, parfois, là où est rouge là, où est son signe danger qui est lié. Rouge là, où est parfois son couleur criminelle. Mais maintenant, rouge que nous est là dans les Écritures, qui s'allie, eh bien, c'est rouge ça, il représente la rédemption. Eh bien, c'est couleur ça que Dieu prend pour les rédemniser nous. Pas oublier, sujet nous, c'est le sacrifice de la rédemption. Amen. Le châtiment, le sang couvrir tout rouge pour nous à la croix, le la pote châtiment nous. Le châtiment qui nous donne la paix, yo tout est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Partout, jusqu'à ces jours, il y a eu un fil rouge cramoisi, le sang. Voilà, un fil rouge qui gagne, un fil tout rouge. Eh bien, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Le m'vaoué sang, eh bien, m'a pu panier maison ça. Amen. M'a pu panier maison ça. Eh bien, mes frères, vous faites la continuer du là. Je me suis souvent demandé comment les gens peuvent rejeter le sang du Seigneur Jésus. Comment ils le font après avoir vu sa souffrance? Comment on fait pour jeter le sang de Jésus-Christ? Pour ne pas qu'on valait la croix? Pour ne pas qu'on qui ça sacrifice calvaire qui ça le fait pour lui? Nous-mêmes nous reconnaître que sacrifice calvaire aujourd'hui il fait de nous des bienheureux. Amen. Que le Seigneur nous n'a quitté la soirée, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement nous ouais il était doué les eaux de séparation c'est là les rivières dans les eaux de séparation dans les parvis et extérieurs c'est là que nous y est dans sujet dans travail que nous a fait là et bien nous ouais faut qu'agneau li laver et comment agneau a laver l'a laver dans la cuve d'airain la cuve d'airain comment elle était faite elle était faite en airain et l'airain qui ça symbolisait les jugements, eh bien, lorsque et Dieu dit Moïse, il y a pour un génisse ou et rousse, il y a brûlé, il y a pour un sang blanc, il y a vidé dans la cuve de rien, il y a versé de l'eau sous lui, il y a vint bas les eaux de séparation. Et les eaux de séparation, il là pour te laver tes moutons avant que vous égorgez pour pécher qui pour te le sacrificateur. Et nous, on a de l'eau de séparation. Dans le Nouveau Testament. Premier de l'eau de séparation qui vient dans le Nouveau Testament, qui s'allie, c'est l'eau du baptême. Vous devez baptiser au nom de Jésus-Christ. Et deuxième de l'eau de séparation qui vient dans le Nouveau Testament, c'est la parole. Et nous devons de l'eau ça, la plaveau jusqu'à l'enlèvement. Amen. De l'eau ça, la plaveau jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ce qu'on arrive à la statue de l'homme parfait. Soyez bénis dans les beaux et précieux noms de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, shalom, fils de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement. Nous dit le Seigneur merci, merci et pour de tels hommes. Car dans le moment ça que nous y est là, du pèlerinage, nous besoin de ministres qui capable lire Bible avec une autre lunette et certaines fois précieux frères et sœurs ben en fait où qu'on senti que gon besoin. Bon, il y a le besoin d'une autre vibration. Le besoin d'une autre vibration, eh bien, il est évident, où sent-il? Mais, je fais au monsieur, il y a un monde qui ne peut pas les bases avec du tout. Et voilà que frère Omido, là, il y a trop de pasteurs dans la cité. Il y a trois pasteurs dans la cité. Ya. Donc, vous avez l'impression, je dis, chaque nègre, il y a un galon si au miel, la vie éternelle, il y a
vide dans la bouche tout le monde. C'est-à-dire tout bas est correct, tout est parfait, donc ciel droit. Et mes frères, nous croyons amen, nous sauver, donc salut, c'est par la foi qu'on croit. Mais le frère Branham nous dit que il faut remplir les conditions de Dieu. Bon Dieu, il y a une condition pâle, il faut nous remplir. C'est pas, ou pas sauver parce qu'on pense au sauver, ou pas sauver parce qu'on croit au sauver, mais on sauver parce qu'on remplit les conditions du ciel, on remplit les conditions de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse nous, frère Omi. Oui. C'est pas parce que ou c'est évangéliste, car moi même signifie ça le signifie. L'expression fait l'œuvre d'un évangéliste signifie ça le signifie. On gêne certain, si nous t'as dit c'est galon si ou nous, n'apprend. Et pour nous mettre un cœur là, mettre louche dans bouche chaque petit bon Dieu, chaque frère, chaque seule église, eh bien sûr que nous ne pouvons pas prendre l'église à aucun service, je vous dis à là. Ben oui, précieux, ça me dit à qu'apparaître dur. Même quoi, c'est la vérité. À un certain moment, il y a des gens qui font le temps de vérité pour aider le changer. Nature, changer tempérament, changer mœurs, changer pile défaut gain yo. Ben nous dit aux chers frères et sœurs, qui ça fait jodi a le Seigneur Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, à nos péchés, à nos fautes, à nos faux pas, à monter descendre nous yo, li ka compatir. Ça veut dire qui ça? Li ka comprendre nous aussi simple que ça. Li ka comprendre faiblesse ou, li ka comprendre problème ou. Leur grand goût aujourd'hui à Jésus ka comprendre nous. Ou ils vont côté leur fatigué ou lagué corps sous cabane, même prier ou pas rien temps prier. Jodi a le Seigneur bon Dieu dans ciel là ka comprendre nous. Parce que on les fatigue travail ministériel journée te fait que là, li te obligé lagué corps sous bac là et dormi ta lavel. Donc je dis alors fatigué, Jésus comprenne. Leur grand goût, Jésus comprenne, parce qu'elle était grand goût tout. Soit passé par de mauvais moments, le Seigneur Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, il peut comprendre cela. La raison en est bien simple. C'est parce que, eh bien, il a vécu comme un homme parmi les hommes. Il a participé et à tout ça que les hommes gagnent là comme épreuve, comme difficulté, comme faiblesse, comme adversité. Dans le même sens là, je dis à nous autres qui gagnent 20 ans, qui gagnent 25 ans et qui gagnent 30 ans dans le message là, qui ça fait je dis à ou capable de gagner et yon longueur d'avance sous nouvelle génération gagnent là. Et nouvelle génération de croyants, nouvelle génération de chrétiens qui gagnent la jodia dans le message, c'est parce que tout ça que y a vive là, tout ça que y a fait face là, ou même d'une certaine manière ou d'une autre, ou fait face avec eux déjà. Mais différence qui gagne, que nous besoin chaque fils de Dieu, chaque ancien, chaque ministre de l'évangile comprenne, c'est que jodia ou même ancien, ou même et ceux de ma génération, et de génération qui viennent tout de suite après maintenant, il y a une chose, il y a une grâce côté vive que moun sa yo la dans la génération, moun qui vient dans le message à la gen 5 ans, qui gen 7 ans, gen 10 ans, que yo pa konnen pratiquement. Nous avons vécu au temps où il y avait des hommes qui prêchaient l'évangile, eh bien, sans ménagement, où le mal était corrigé incessamment à la chair. Je dis à tout prédicateur, il y a un galon si vous m'y a mer. Vous prenez tout bas et tout réglé, même douce, vous avez 25 péchés pour faire, vous avez fait tout. Donc, c'est une forme de... bon, nous ne pouvons pas dire c'est ça, l'intention.
Mais c'est un conseil de vérité tout. Certes, c'est la vérité, nous l'admettons. Mais l'on dit, ou plus il y a tendance à renforcer pécheur, ou plus il y a tendance, ben pas dit pécheur, ou plus il y a tendance à renforcer. Mais jeune croyant, ça a cap milité contre démon, impudicité, cap milité contre démon, eh bien, et mondanité, cap envahi là. Mais qu'on dit l'on bagay qui pour renforcer. Moi-même, par exemple, c'est Monsieur Sayo là, et mon Michaud, les Guy Cantave, les Bertoni Jean-Charles, les Tidé Sénétan, les Paul Lamotte, c'est Monsieur Sayo, les Oprin, la chair, avec un esprit percutant. Vous comprenez? C'est eux-mêmes qui aident à traverser toute pile tentation qui était devant dans l'époque là. C'est la parole. Et mes côtés joignent, qui te aident à traverser. Aujourd'hui, il se trouve que les épreuves, les difficultés, les tentations de le moi-même d'accepter le message là dans les années 90-96, aujourd'hui, la tentation est multipliée, elle vient plus dure. C'est pour ça que je dis que les mères de famille, les parents, ils ont du pain sur la planche. Ce n'est pas moment où on papa petit, on maman petit, tu as notre tripotaille, tu régler l'autre bagaille. Prière pour ta faire pour petit tout seulement, tu as supposé occuper tout le temps. Parce que les enfants sont exposés à de graves ennuis. Alors voilà que c'est jeudi. Pendant que la plus difficile là, et jeudi, bon, son flow pasteur. Ouais. On flow pasteur. Tout homme est pasteur. Donc, ça veut dire son l'évangile, c'est au miel qui gagne, pas un mal qui pour frapper. Et vous prenez, peuple, ça, son peuple qui pas exposé, et avec question impudicité, pas une question fornication. Non, non, pas un problème, ça, et encore, etc. Eh bien, bon. Bon, il faut laisser un t'ajoindre, un frère Omi. Il faut laisser un t'ajoindre, un frère Omi. Vous comprenez? Donc, parce que la vérité doit être dite. Même Jean-Jésus, je dis à li ka comprendre problème, non? Moi même ka comprendre problème, et ça fait des fois ou capable joindre là certaines personnes pas trop à l'aise au cadeau que Jack là tout temps noir fait exhortation. Écoutez. Des jeunes, je dis à bab moi comment ça blanche dans l'évangile là. Donc ça que les jeunes croyants ont exposé avec aujourd'hui, moi-même, j'étais sous route, moi. C'est l'évangile qui t'a aidé à me traverser, pas bombe de bon passé. Mais la vibration spirituelle de mon assemblée, les ministres qui me prêchaient la parole, c'est ça qui t'a aidé à me traverser par la grâce du Seigneur. Je n'ai pas aucun mérite, je n'ai pas aucune qualité. Aujourd'hui, je n'ai pas capable de diacre si pas de vibration spirituelle. Ça. Mais Dieu m'a fait une faveur. Et pour ça, je dis, moi-même, je dis, il faut me dire la vérité à un autre pour aider le temps de tout, pour le détourner du mal. L'enseignement de la parole, il a renforcé croyant. Il a renforcé croyant, il a fait le connaître côté la première pièce, il est clair, il est côté lié. Et c'est même gens agronomes, ils comprennent. L'offre fait tout le travail de défrichage d'un terrain. Et pour faire un semencement, pour arroser, eh bien, une plante ça qui a osé, eh bien, il rejoint toutes conditions d'humidité, d'ensoleillement, etc. que au besoin pour semencement développer la poulquat, arriver à un moment de la durée, eh bien, faut venir avec un insecticide. C'est ça le rôle de l'évangéliste, venir détruire le mal. Les petits renards, les insectes, les parasites qui viennent empêcher plantes de développer la semence de Dieu dans les croyants. Eh bien, le mal, l'impureté, l'impudicité, eh bien, esprit, on sait l'esprit et religieux qui semblait chrétien. Et là, on ne peut pas parler d'impudicité seulement comme unique forme de péché gagné.
ka gen de moun ki pa jam komet impudicité, ki pa jam komet impudicité nan la vi yo, men yo quand même gon mal nan vi yo ka fè yo pal nan ciel, pal l'enlèvement si yo pa korije l. Hein, quand bil kwayan, yon se du nan baza, non. Par la grâce du Seigneur, frère Win, pas là. Il n'y a pas que le frère qui a lutté avec un démon de fornication ou un démon d'adultère, c'est lui-même seulement qui a un problème. Non. Non, non. Ce n'est pas le seul mal qui gagne. Il y a des mondes l'esprit tellement faux, ou pas jamais joindre, même pendant une seconde dans la vie, yo, pour t'accuser d'impudicité. Jamais. Mais pourtant, yo sous route l'enfer au même titre que Gangan. Yo sous route l'enfer au même titre que prostituée. Si yo pas repenti tout. Ça, il faut le dire, il faut nous comprendre ça, mes bien-aimés. Lorsqu'on parle de péché, il n'y a pas seulement, il n'y a pas que la fornication, il n'y a pas que l'adultère. Parce que pour parler de péché, il y a des gens là, c'est comme si je suis adultère, il tombe dans l'adultère, il tombe dans la fornication, etc. Ça n'a pas chrétien lui-même, bagaille parce qu'on parle dans l'évangile. Et pourtant, chers frères, chers sœurs, rentrez dans vous-même, joue l'Esprit de Dieu, t'as flashé. C'est un mot que les gens ont utilisé là. Joue le Saint-Esprit, t'as flashé. Mais ça, il t'a bon, on coûte clair de conscience. Ou t'as pris nous compte que ou aussi perdu que prostitué a. Parce que qualité démon coin nous yo. Mais c'est vrai, ou même c'est pas dans fornication, c'est pas dans adultère ou, ou pas impudique, ou même c'est vrai. Ça n'a point sort sans reproche. C'est des pour sortir dans ciel déjà. Mais pas ça qui a mené monde dans ciel. Donc, il ne peut pas passer l'autre tombe dans l'adulte qui fait le papa dans le ciel. Alors, c'est l'autre fornique qui fait le papa dans le ciel. Ni ou même tout. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas fornique qui fait le papa dans le ciel. Non, il faut remplir les conditions de Dieu. Les conditions de Dieu, c'est ça qui mène dans le ciel. Mais qui ça pour faire mon Dieu comprendre ça? Il faut qu'il y ait des ministres de l'évangile qui décide de faire un coup de main. C'est vrai ou pas évangéliste, mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Faire un coup de main. Ou équipe moun qui sont l'enfer dans le temps. Ou t'en a tête yon dans le ciel yon gale. Et bien, faire un coup de main. Ou pour ne dire clair, parce que vous devez sauver. Et petit bon Dieu, oui. Mais yon sous l'enfer. Yon sous l'enfer. Mais pourtant, c'est des mouns qui tellement gon vie morale, yo tellement gon vie morale, c'est le Saint-Esprit seulement qui a convaincu yo que yo pas sous route enlèvement. C'est des gens qui très religieux, c'est des gens morales, d'une moralité sans faille, ou pas qu'à reprocher rien sur le plan moral. Mais yo sous route l'enfer. C'est pour ça. L'évangile là doit prêcher non niveau pour moun sa wè clair tout que effectivement gon l'autre parle doit faire nan bon Dieu faut l'aller pour laver dans les eaux de séparation pour que li franchi l'étape décisive pour que le débarrasser li séparer de sa nature pécheresse de sa nature adamique, et bien pour que dans la nouvelle naissance, pour le devenir cette nouvelle créature en Jésus-Christ, et bien qui joue au diala, qui te rancune, qui te parle moun mal. On l'autre l'air. Il est 8 heures. N'après-midi là, on l'autre l'air. Bon, laissez faire grâce là. Bon, et ça fait, nous quoi vrai? Bon, jodi à la, bon, c'est une façon de parler, de toujours quoi? Jodi à la, le Seigneur confirme que, eh bien, les gens petits, ils veulent sauver dans le salon, ça. Donc, si vous avez frère Omi, son pasteur. Bon, frère Omi, son pasteur. Ben oui, on reconnaît l'homme, on reconnaît le ministère qu'il a.
C'est un pasteur, c'est un enseignant de la parole. Mais il décide de bailler un coup de main. Jésus-Christ, ben nous, loin de Dieu, il y a un lot, oui, il y a un lot. Il y a un lot. Et frère GD, ben nous, petit coup de main là, vous comprenez? Frère Giovanni, dans façon parle, il bailler coup de main. Donc, il y a un lot. Mais c'est quand vous sentez, dans la saison, nous besoin coup de main ça. Nous besoin coup de main ça pour le peuple de Dieu. Nous sommes les amis de leurs âmes. En nous bailler coup de main. Parce que actuellement, pendant ma parole là, je vous le dis par le Saint-Esprit, il y a des gens qui sont l'enfer, mais dans la tête, ils sont sauvés. Donc, il faut que bon l'évangile qui vient l'ouvrir pour dire, il n'y a pas de bon route là. Il n'y a pas de bon route là. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Et nous croyons que définitivement, nous prenons l'enlèvement. Mais enlèvement passé par les eaux de séparation. Pas parce que on a l'évangile là depuis 30, 40 ans. Pas parce que on a l'évangile là et c'est leur levé ou grandi là et la maman ou fait ou. Non. Nous prenons l'enlèvement parce que définitivement le Seigneur, par les eaux de séparation, l'a fait nous remplir les conditions de Dieu. L'a fait nous remplir les conditions de Dieu. Ou pas ou même pendant un vaï de démons qui ouen nous là qui siège dans l'esprit ou donc on condamné on l'autre qui gagne bon sentiment il gagne bon sentiment il gagne bon fond chrétien mais nan goumen là avec un esprit de fornication il tombé bon nous toutes gagne pour nous repentir nous toutes gagne pour nous repentir. Père de miséricorde, notre Dieu, notre roi, nous aimons ta présence, nous aimons ton onction, nous aimons ta parole. Nous comptons, Père, au Dieu, pour au Dieu, cet élan que vous avez créé dans le peuple, que vous avez créé dans l'espace, dans le salon spirituel. Car nous savons, au Dieu, que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Tous les signaux, Seigneur, au Dieu, sont au rouge. Tous les clignotants sont au rouge, annonçant, Seigneur, ta venue imminente, Seigneur. Mais, oh Dieu, oh, il y en a qui traînent, Seigneur, les pieds. Il y a un Seigneur, oh Dieu, qui, oh, il y a des bagages encore à faire dans la préparation. C'est pour ça, nous prions, Père. Sois compatissant et miséricordieux. Comme il est écrit dans ta parole, il envoie sa parole et il la guérit. Continuez vos paroles là pour nous. Paroles qui pour guérir nous. Nous chaque, nous avons besoin. Nous chaque, nous avons faiblesse. Nous chaque, nous avons bagaille pour nous vaincre. Pour nous totalement. Et ce fils de Dieu, cette fille de Dieu, qui est totalement agréable à vous, qui est totalement, eh bien, en condition devant vous là. Vos paroles et pas nous. Parole qui pour moi personnellement, parole qui pour sœur untel là, parole qui pour frère untel là, voyez-le, pour que nous soyons capables de délivrer et pour que réellement nous soyons capables de remplir les conditions de Dieu. Pas que Seigneur nous continue à marcher avec une foi intellectuelle, une foi mentale, une foi eh bien, qui est basée sur le nombre d'années que nous avons dans le message là. Sous telle faute, telle erreur, ne pas jamais fait. Mais non, Seigneur, menez-nous là à ce point où, Seigneur, nous va remplir tes propres conditions. Nous va remplir tes propres conditions. Alors et alors seulement, nous va prêts pour ce glorieux enlèvement. Nous remettons à chaque frère, chaque sœur, chaque maison, chaque famille, au Dieu. Chaque bien-aimé qui t'attendait nous là, qui était avec nous, et tout ça, vous prenez le temps d'après, bah, grâce au Père, que le Saint-Esprit touche yo, que le Saint-Esprit est illuminé dans yo, l'ouvre les yeux yo, pour yo, ouais, là où ils sont faibles, là où se trouve, Seigneur, leurs problèmes, pour que, oh Dieu, yo, allez devant dans la prière, et pour la ferme résolution, oh Dieu, de faire un nouveau pas avec toi. Nous remettons toutes choses entre tes mains.
Béni Seigneur nos ministres, béni Seigneur nos frères, frère Libertin, frère Giovanni, frère Gédéon d'Orsainville, ces hommes qui prêchent ton évangile, frère Sobner, mon désir, tous ces hommes-là qui prêchent l'évangile de la correction. Et tout cela, Seigneur, qui a illuminé nous avec, Seigneur, la parole de lumière qui éclaire, qui corrige, Seigneur, continuez, renforcez-vous, fortifiez-vous, orientez-vous, Seigneur, et conduisez-vous selon les besoins réels de ton peuple. C'est là notre prière, Père. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir bénis, de remettre nuit dans la mer. Que grâce ou bénédiction, capable de continuer à reposer sur nos familles, les maisons, oh Dieu, notre Église, oh Dieu, nos frères, nos les dirigeants, que grâce ou reposer sur eux. Nous implorons faveur et grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et shalom. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Soyez toutes et tous bénis. Certainement, nous allons partir bientôt dans l'enlèvement. Mais d'ici là, on retire toute vieille boîte carton, toute vieille bagaille qui pas indispensable, tout corps étranger. On débarrasse de tout esprit étranger, tout esprit pas esprit bon Dieu. En débarrassant de tout ça, mettez-nous en condition, mettez-nous prêts, car nous allons partir. Le grand voyage va avoir lieu bientôt. Soyons prêts, soyons prêts. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Shalom. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.